Tout le monde ne peut pas être fort. Tout le monde ne peut pas être vaillant. Tous les membres de notre corps n'ont les mêmes capacités. Mais chacun exerce sa fonction selon sa capacité. Dieu a donné un talent et une capacité à celui qui est faible. Mauna talento adekle nu tete ameni amebeli. Si on lui donne les occasions, il va les utiliser. Na onyibe na one monu popowola asanu ya okata. Mais si tout se fait du côté des forts, il finira par dire je ne suis utile à rien. Il va mourir dans un complexe d'infériorité. Alors qu'il était utile à quelque chose. Si nous considérons que les faibles, alors là, nous n'irons pas loin. Et si nous considérons que ceux qui sont moyens, nous n'irons nulle part. C'est pourquoi nous devons nous saisir de la sagesse de Dieu. Pas pour rester au beau milieu. Pas pour rester en bas. Mais pour agir selon Dieu. De manière à permettre aux forts, aux moyens et aux faibles de trouver toujours sur le chemin de Dieu leur partition. Les gens ont des talents pour travailler dans l'église. Il y en a qui ont des talents pour travailler pour l'église en dehors de l'église. Et si nous savons comment gérer tout ce trésor, l'église sera une église parfaite. C'est dans ces circonstances-là que Dieu fait les choix. Il y a les réunions de soir. Il y a aussi les réunions de nuit. Il y a aussi les réunions de jour. Les forts peuvent venir le jour, le soir et la nuit. Mais il y a là. Les moyens peuvent venir le matin et le soir. Les faibles peuvent venir que le matin. Petit à petit, si on arrive à les gérer de manière à leur donner un peu d'énergie, ils vont grandir et voir les choses autrement. Donc tu es utile. Dieu t'a créé comme ça. Avec un talent particulier. Le talent t'aide. Et il veut te voir jouer parfaitement ta partition dans le domaine dans lequel Dieu t'a donné le talent. Et il est le Dieu des forts. Il est aussi le Dieu des faibles. Esprit de Dieu souffle sur ces